Avant de commencer les vidéos, je voudrais donner un petit coup de pouce à un artiste très talentueux. Il s'appelle Origamine. Il m'a proposé d'organiser un petit concours pour vous faire gagner un poster tiré de sa boutique. Pour y participer, rien de plus simple. Je mettrai le lien de son post Instagram dans la description. Cliquez sur le lien, vous allez arriver directement sur son profil Instagram. Sur la photo dans laquelle je tiens un de ses posters, dites-moi dans les commentaires quel est votre personnage préféré dans Dragon Ball. Voilà, rien de plus simple. Ensuite, on va s'occuper du tirage au sort. Et l'un d'entre vous gagnera un poster de sa boutique. Je mettrai également dans la description un lien vers sa boutique. N'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner à son compte Instagram. Bonjour à tous, c'est Brice, je suis en live devant 8000 frérots. Malheureusement, on avait prévu d'invoquer sur un autre portail, sur la globale, mais on s'est mangé une erreur maintenance directe. Donc là, on a 3 heures à tuer et qu'est-ce qu'on va faire? On va invoquer sur le portail, sur la version japonaise. C'est un portail spécial, donc pour les gens qui ne suivent pas, l'actualité sur la version japonaise, on célèbre actuellement le 7 juillet 2017, parce que voilà, les Japonais, ils adorent le chiffre 777. Voilà. Et du coup, ils nous ont proposé de voter parmi un large choix d'unités, quelle unité on voudrait voir dans un portail spécial. Et donc, bah voici les gagnants des votes. Malheureusement, c'est dommage, on avait le droit, enfin on pouvait voter pour couleur, le Super C17 et le Kid Buu, donc les 3 Neo Gotia. Et ils ont été dépassés par SV, par Gogeta, c'est surprenant, et par Végéto Bleu, Végéto Bleu et Black Goku Rosé. Les deux qui sont arrivés en premier sont le Goku SJ4 et Vegeta SJ4. L'ironie du sort, bah, c'est à cause d'eux que sur la version globale, le jeu est en maintenance urgente. Et donc là, nous avons un peu de DS, parce que, à chaque fois qu'ils nous balancent ce genre de portail un peu bien sexy, bah, ils ont fait des promotions, enfin ils nous proposent des promotions. Et le jeu a été propulsé premier sur, sur les stores, je crois, enfin Android et iTunes. Du coup, on peut s'attendre à des récompenses, des DS plus des orbes supplémentaires. Donc, on va invoquer, on va rechecker ce que, quelles sont les unités qu'on va pouvoir récupérer sur ce détecteur. Voilà, Goku SJ4 qui vient d'arriver sur la globale. On l'attend. Moi, j'ai toujours pas pu claquer la single. Sur la Jap, j'ai déjà 2 doublons. Je ne dirais pas non à un autre doublon. Le SJ4 Vegeta, pareil, qui vient d'arriver sur la globale. Toujours pas eu le moindre doublon. J'aimerais bien avoir quelques doublons parce que je vois 2-3 SJ4 à 100% et je trouve ça hyper puissant. Le Végéto Bleu, je suis à 100% donc j'en ai plus besoin. Gogeta, je suis à 95% donc pareil, j'en ai plus besoin. Donc c'est pour ça que ce portail me fait peur. Enfin, je l'aime pas parce que j'ai beaucoup de cartes qui sont déjà maxées. Bah, le Goku SJ3, bah, j'ai 4 doublons également. Donc j'en veux pas du tout. Rosé, j'ai 4 doublons, je suis à 50%, pareil, j'en veux pas. Et le SV, j'ai 4 doublons et 50% et pareil, j'en veux pas. Donc c'est pour ça que ce portail me fait un peu peur. Parce que voilà, sur le détecteur, il y a juste les deux qui m'intéressent. Les autres, ce sera Osef de chez Osef. Sauf si un jour on aura le Végéto Bleu LR. Du coup, je vais peut-être garder les Végéto LR pour monter l'aspect de ce futur Végéto LR. Alors pour les gens qui savent pas de quoi je parle, en fait sur la globale, on peut voter pour le prochain LR. Et le Végéto Bleu figure parmi les unités qu'on peut, pour qui on peut voter, dont les deux SJ4, mais votez pas pour les SJ4, votez pour lui, ce serait pas mal, puisqu'on a eu un rosé LR, bah ce serait cool d'avoir aussi un Végéto Bleu LR. Bon, c'est parti, on va faire une multi, 10 singles, une multi, et on va s'arrêter là, les frérots. Allez, c'est parti, on commence très fort avec la multi, donne-moi du SJ4 Végéta, s'il te plaît. Donne-moi du SJ4, j'ai toujours pas réussi à dropper le moindre doublon. Bah les gens qui verront cette vidéo sur YouTube, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus. Il me faut, je lance le Genki pouce bleu. Il me faut dropper les SJ4, s'il vous plaît. Sinon, j'aurais l'air un peu, enfin, je serais un peu déçu. Voilà, clairement, donc voilà, je compte sur vous pour le Genki pouce bleu. Pareil sur le chat, vous êtes 8500 sur le live. Lâchez le petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. D'ailleurs, on vient de battre notre record. Le record de la chaîne, c'était 7000 viewers. Et là, on l'a battu. À pleine couture. Deux Yamcha pour fêter ça. Mais c'est magnifique. C'est mon rêve devient mon rêve vient de se réaliser. Alors deux Yamcha sur 3 singles. Enfin sur 3 unités invoquées. Alors le taux drop je crois qu'il est de 10%. Et les différentes unités sur le détecteur ont un taux drop à 0,8%. C'est pas le feu.
Ça veut dire qu'on peut se retrouver avec une multi-cacarotte comme peut-être celle-là. J'espère pas, parce que voilà, nous sommes un peu nombreux sur le live et j'aimerais bien que certains d'entre vous m'envoient leur énergie. Oh mais non, 3 Yamcha, vous êtes sérieux là? 3 Yamcha, d'accord, on annonce la couleur. Et un sel, d'accord, un sel R, parfait. Bon, si tu me lâches un SSJ4, j'oublie le reste. D'accord, on enchaîne un Goku qui se dokan en Goku, qui est pas dégueu parce que le Goku a eu un dokan supplémentaire et il est pas dégueu. Et un Kame Sennin qui va finir chez Baba. Voilà, voilà. Première multi qui ressemble à une claque sur le cul, hein, une claque violente. Une belle petite fessée qui fait très mal. Je viens de perdre 50 DS. Merci beaucoup, hein, Bandai Namco. Hein. Maintenant sur la globale, plus Kakarot sur la Jap. Belle soirée, très très belle soirée. Vous en pensez quoi? Bon, 10 singles. Si sur les 10 singles il n'y a toujours pas un SSR, je vais me mettre en PLS. Hein, j'arrête le live et je me mets en PLS. Ça veut dire que ce soir c'est full bug. C'est pas possible. Ce serait bien. Ce serait bien un petit SSJ4 Vegeta. Trunks, qu'on peut utiliser pour monter l'aspect des Trunks SSJ1, il me semble. Mais bon. Bah, de toute façon, le Trunks SSJ1 il est farmable, donc pourquoi se faire chier à monter. Enfin, ouais, c'est ça, à monter un SSR différent. Bon, pendant ce temps, je vérifie la globale, non, toujours maintenance urgente jusqu'à minuit. C'est magnifique, merci beaucoup. C'est encore 2 heures à attendre. Un Ginyu, parfait, parfait, parfait. Bah, je les collectionne. J'en ai un SP10. J'attends d'acheter, de pouvoir acheter un deuxième chez Baba. J'ai quelques Ginyu SR en stock. Je dois en avoir 4 ou 5. C'est comme ça que j'ai monté SP10. Hein. Donc, bah, c'est comme ça que je vais le monter SP20. Du coup, j'ai pas envie de claquer des vieux Kai sur ça. Hein. J'ai pas envie de claquer le moindre vieux Kai, même si j'en ai une pelletée. Donc les gens... Quoi? La globale elle marche? Non mais arrêtez vos conneries. La globale elle marche, attendez, je verrai. Non, c'est une connerie. C'est une connerie. J'ai essayé de me connecter, j'ai pas réussi. Bon bah c'est une feinte. Quelle petite feinte. Non là je vois toujours maintenance. Bon me dites pas que les SSJ4 ont été aussi retirés de la version japonaise là, parce que... Parce que là, ça fait bientôt 15 invocations, là. Alors, Jean-Michel Crapaud, qui est tout pourri. Alors, malheureusement, sur ce portail, il n'y a pas les LR. Enfin, les Neo LR. Ah là là, c'est... J'avoue être un peu déçu hein, par ce portail. C'est un peu... Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus aussi, parce que... 7 juillet 2017 pour ça... Ils auraient pu nous lâcher les Noël LR en plus sur le détecteur. Enfin, pas sur le détecteur, mais au moins droppable quoi. Parce que là. J'avoue que. Le jeu est devenu un peu. Enfin, les développeurs, ils ont un peu forcé sur le côté vache à lait, je trouve. Parce que là, en fait. Pour quelqu'un qui est reroll, c'est parfait. T'as ce portail là, tu dis. Waouh. T'as quasi. T'as combien? T'as. 3 Neo LR. Et. Des gouttières, donc tu dis oui, c'est le feu. Mais pour les gens qui sont là depuis un moment, bah tu vois ça, tu dis bon bah c'est un... Tu sais, c'est un peu comme le portail commémoratif. Donc c'est cool si t'as pas droppé les différents SSR en question, mais sinon... Sinon voilà quoi, c'est... C'est pas hyper intéressant. Sauf que, contrairement au portail commémoratif qu'on a pu invoquer avec des... Avec des tickets qu'on a reçus gratuitement, là on doit claquer des DS... Donc remettre de l'argent pour dropper des doublons, j'avoue que je suis pas très fan du concept, mais bon. Je suis vite déaste. Et puis voilà, je suis en live devant des frérots. On est bientôt 9000 sur le live, putain. Enfin putain. Je voulais dire putain, hein, parce que putain c'est un gros mot, mais putain, c'est pas un gros mot. Pour l'instant c'est quand même. Ça sent la saucisse. Hein. Ça sent fortement la saucisse là. Ça fait 50. 50 DS plus 40 DS, donc 90 DS sans le moindre SSR.
Oh là là. En fait, je préfère avoir moins de personnages droppables sur le détecteur. Ou même des cartes différentes, pas forcément que des god tiers machin et tout. Mais au moins nous lâcher un SSR garanti par multi quoi. En fait pour moi normalement ça c'est... On est en 2017, bientôt en 2018, pour moi ça devrait être la base. C'est un SSR garanti pour chaque multi. Parce que là c'est... Ça me fait bientôt 200, bientôt 100 DS là. 100 DS sans le moindre SSR. Ça bug, bah oui ça bug sur la globale les gars. Bon, bah là c'est officiel, ça fait, ça fera 100 DS, 100... Enfin là ça sera... Non mais là les gars... Ça veut dire que ce soir c'est vraiment pas mon soir. Mais pourtant je viens d'obtenir les 100 000 abonnés il y a pas longtemps. Je veux dire, il y a pas moyen que Namco Bandai me fasse une célébration. Viens Discord Genji Sita, ça demande. Parce que ça drop pas les frérots hein. J'aurais pas à dire mais... Et on finit par un putain de piccolo. Mais est-ce que ce soir... Est-ce que ce soir ce sera la soirée la plus mémorable dans le mauvais sens? Bon, on finit par la dernière multi. Si on a rien, bah on va juste pleurer dans son coin quoi. Bon, je compte sur vous les frérots. Là sur cette multi, je m'attends au moins à 3 SSR pour compenser les deux multi Kakarot, enfin les 100 DS que je viens de perdre. Bon allez c'est parti Namco Bandai. Évite. Évite s'il te plaît. Normalement le jeu se régule à un moment. À un moment c'est... Il y a de la carotte et à un moment il y a la... Il y a plus de carotte. Il y a Noël. Donne-moi quelque chose, donne-moi du SSJ4. Bah je compte sur vous les frérots sur le live de mettre... Enfin pour mettre un maximum de pouces. Le pari les gens sur le... quand ils verront cette vidéo sur YouTube, je compte sur vous, encore un Yamcha. Mais c'est quoi son taux drop? Il y a 50%, ça se passe comment là? Non, je peux pas faire 150 DS sans le moindre SSR, c'est pas possible. Bon, je le garde, mais parce que je me dis que peut-être qu'un jour il passera LR, mais j'avoue que j'ai un peu le seum là. Ah, SSR, et c'est un Goten qui se trouve pas sur le détecteur. Que j'ai déjà Spedis. Que j'ai déjà Dokkan. Ok. Mince, comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Bon, ça va me revenir. Et c'est un Rosé que j'ai déjà... maxé niveau de l'arbre. Enfin j'ai déjà 4 doublons. Ça me fait plaisir de voir une belle carte. Mais pour l'instant je sais pas quoi faire avec cette carte. J'avoue que j'ai un peu le seum. Mais c'est pas fini. 2 SSR. On peut-être un deuxième rosé. Nom de Dieu. Oh le troll. Oh là là. Oh là là, 30 000 points chez Baba. 30 000 points. Ok. J'aurais pu avoir un SSJ4 hein. Au moins. Ah Ginyu. Ça c'est cool. Ça peut servir pour mon deuxième Ginyu. Un Raditz. Un troisième forme. Est-ce que ça s'arrête là? Aïe aïe aïe, ça s'arrête là. Vous êtes 9000 sur le live. La globale ça remarche. Non. Je suis toujours en maintenance. Deux rosés et un Goten. Ça c'est des points chez Baba ça. Bon. Claquons la dernière multi. Et après on va s'arrêter là. Et on va ensuite attendre patiemment que la globale se remette en route. Bah oui c'est vrai, j'ai voulu 3 SSR, j'étais servi. Allez lâche-moi un SSJ4 pour finir. Pour finir la soirée, pour finir cette vidéo. Un SSJ4, soit un Goku, soit un Vegeta. L'un des deux, ça me convient très très bien. Pourquoi pas les deux? Et voilà, super! Encore on parle de ce foutu SSJ4. Il y en a un qui tombe, enfin. Oh, ça fait plaisir les frérots. J'ai bien fait de forcer. Bon, ça fait plaisir, ça me fait un chemin supplémentaire. Donc ce sera le chemin en haut à gauche. Cool, cool, cool. Maintenant, on compte sur toi, Namco Bandai. Je veux un SSJ4 Vegeta. J'ai toujours pas droppé le moindre doublon.
Allez, ça c'est la, c'est le vent à tourner, je pense. Le vent à tourner. Je compte sur vous, les gars. Le Genki pouce bleu, enfin le, les gars et les blanquettes, parce qu'il y a aussi des blanquettes qui jouent à Dokkan Battle là. Il y en a une qui est venue me voir tout à l'heure en me disant ouais, je serai sur ton live. Et oui, les blanquettes, elles jouent aussi à Dokkan Battle. Oui, oui, oui. Elles aussi, elles invoquent sur le jeu. Enfin, la globale marche chez moi, Brice. Bah, la globale, elle marche pas chez moi. Je ne comprends pas. Un Jean-Michel Crapaud. Ok, j'ai déjà SP10. Bon, je relance la globale en même temps, on va voir. Un deuxième SSJ4, ça serait parfait. Lui, j'en veux pas du tout. Hein, les Krillins comme ça, là. Est-ce qu'on peut espérer? Oh mais non, mais les Piccolo, faut arrêter avec les Piccolo. On devrait les bannir. Tous les SR Piccolo, on devrait tous les jeter en fait. Enfin, ils devraient les bannir du... Ah, ça, ça fait plaisir. Un autre Ginyu. Je vais bientôt... Non, je pense pas que je vais pouvoir le SP10. Le deuxième, je crois que c'était la dernière carte. Non. Oh, un C19. Non, C20. Non, C19. Bon, au moins, on a un SSJ4. C'est déjà ça. Je mets le cadenas, la carte est vraiment magnifique. Hein. Donc voilà, on l'attend sur la globale maintenant. Hein. Ce serait bien que les serveurs de Bamco fassent quelque chose. Ben voilà, on va s'arrêter là les amis. 200 DS, on a droppé 4 SSR, donc un taux de drop à 10% à peu près. Donc bah, les gens en fait qui ont reroll et qui ont beaucoup de DS, relancent la globale et fonctionnent à nouveau. Bah, j'ai relancé encore une fois, ça marche toujours pas. Merci beaucoup en tout cas Chase pour ton message. Voilà, les gens qui ont reroll... Maintenant sur la Jap, il y a 7 DS à récupérer par jour. Donc voilà, il y a 77 DS sur 11 jours. Ce portail, il est très bien. Enfin, je veux dire, Rosé, SJ4, Végétaux bleus, c'est le feu. Donc voilà, ça vaut le coup. Après, pour les gens qui ont déjà invoqué sur les précédents portails, évidemment, c'est moins intéressant. Dans tous les cas, on a au moins droppé un SJ4. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour me soutenir, comme d'habitude, un maximum de pouces bleus. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Une dernière chose, tu peux retrouver ces produits dans ma boutique. Le lien se trouve dans la description. Si tu veux voir mes précédentes vidéos à vocation, clique sur la playlist de gauche. Sinon, j'ai aussi une playlist consacrée à tous mes guides. Il te suffit de cliquer sur la playlist de droite. Alors, petite nouveauté, ces liens sont désormais cliquables, même sur mobile.